يعطيكم العافيه. كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تمام. اليوم بدنا نشتغل ابلكاسيون على التريجونومتري. نحن الاسبوع الماضي خلصنا الكور وحلينا دوز اكزرسيس بتيت اكزرسيس. بدنا نعمل اليوم تروا ابلكاسيون ابليكو فورمولا، يعني ما في شيء ضغط عليه، واضح؟ وان شاء الله عندنا هالسيشن اليوم بدنا نشتغلها و ندرسها مزبوط، وان شاء الله هاليومين توصلكم حصه جديده فيها كمان تروا ابلكاسيون. بدنا منكم اعملوا معروف، تهتموا فيهم وتركزوا فيهم. بنبلش بابلكاسيون 1. ك ال ام ات ان تريانجل ريكتانجل ان ك تل كو ك ام ايغال 5 سنتيمتر اي ك ال ام ايغال 35 دوغري. كالكولي ال ام. دون لو تريانجل ريكتانجل ك ال ام، ال ام نيت اوتر كو ليبوتينوز. KM est le côté opposé pour l'angle 35 degrés. Par suite, si on a le côté opposé d'un angle et l'hypoténuse, on peut alors appliquer la formule sinus. Sinus d'un angle qui est égal à côté opposé sur l'hypoténuse. Par suite, KM est le côté opposé de l'angle MLK. LM est l'hypoténuse. Par suite, donc, on peut appliquer la formule sinus KLM qui est égal côté opposé sur l'hypoténuse. Par suite, dans l'exercice, on écrit ça, c'est l'hypothèse. KLM est un triangle rectangle en K. Sinus MLK, sinus MLK égale côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé à l'angle 35 degrés n'est autre que KM. Et l'hypoténuse est ML. Par suite, sinus 35 degrés égale 5 sur ML. Produit au croix, ML égale 5 sur sinus 35 degrés. À l'aide d'une calculatrice, on trouve que ML, valeur approchée, est 8,7 cm au dixième près. Application 2. Partie A. Montrer que sinus au carré 35 degrés plus cosinus au carré 35 degrés plus 35 égale à 36. J'ai ici 35 degrés et ici 35 degrés. Nous avons vu dans le cours que sinus carré d'un angle plus cosinus carré même angle est égal à 1. Par suite, sinus au carré de 35 plus cosinus au carré de 35 doit être égal à 1. Plus
35 égale à 36. Vérifier. Partie B. Sinus au carré 75 plus sinus au carré 15 degrés moins 2 égale à moins 1. On remarque que ici on a 75 degrés et là 15 degrés. Ces deux angles sont complémentaires. On a vu que si deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un doit être égal à cosinus de l'autre. Par suite, on peut remplacer 75 par 15 degrés et le sinus par cosinus. On obtient cosinus au carré 15 degrés plus sinus au carré 15 degrés moins 2. Et cosinus carré 15 degrés plus sinus carré 15 degrés doit être égal à 1. On a vu dans la partie A, cosinus au carré d'un angle plus sinus au carré même angle doit être égal à 1. Alors, égal à 1 moins 2 égale à moins 1. Partie C, sinus 20 fois cosinus 70 plus cosinus 20 degrés fois sinus 70 est égal à 1. De même, on remarque que 20 degrés et 70 degrés sont deux angles complémentaires. Donc, le sinus de l'un est égal à cosinus de l'autre. Si on remplace 20 par 70 degrés, sinus doit être égal, on remplace sinus par cosinus. On obtient cosinus 70 fois cosinus 70. De même, on peut remplacer 20 degrés par 70 degrés, car 20 et 70 sont deux angles complémentaires. Et le cosinus par sinus. Par calcul, cosinus 70 degrés fois cosinus 70 degrés est égal à cosinus au carré 70 degrés. Plus sinus 70 degrés fois sinus 70 degrés est égal à 70 à sinus 70 degrés. J'ai l'angle 70 degrés, 70 degrés. Le cosinus carré d'un angle plus sinus carré du même angle est égal à 1. Application 3. C est un cercle de centre O et de diamètre BF égale 40 mm. A est un point du cercle C tel que AB égale 14 mm. La perpendiculaire à la droite AF passant par O, du point O, on trace la perpendiculaire à AF, qui coupe AF en E. Première partie, quelle est la nature du triangle ABF justifié? On remarque que A appartient au cercle du diamètre BF. Par suite, on a deux méthodes pour démontrer la nature de ce triangle. Premièrement, ou première méthode, A est un point sur le cercle du diamètre BF, alors ABF est un triangle rectangle en A. Deuxième méthode, on peut dire que l'angle A ou BAF égale mesure de l'arc BF sur 2 égale à BOF sur 2 égale à 180 sur 2 égale 90 degrés. On écrit seulement une méthode. A est un point du cercle C et du diamètre BF. Donc, ABF est un triangle rectangle en A. Partie
partie 2. Calculer la valeur arrondie au centième près de l'angle AFB. On doit trouver la mesure de l'angle AFB au centième près. Pour l'angle F, j'ai le côté opposé et j'ai l'hypoténuse. Par suite, on peut appliquer le sinus de l'angle F. Remarque, pour l'angle AFB, j'ai le côté le côté opposé et l'hypoténuse. Par suite, on peut appliquer la formule sinus AFB égale côté opposé sur l'hypoténuse égale AB sur BF. Donc, sinus AFB égale AB égale 14 mm. BF égale à 40. À l'aide d'une calculatrice, on trouve AFB. AFB égale sinus moins 1 de 14 sur 40 est égal à 20,49 au centième près. Calculer la longueur EF. OEF est un triangle rectangle. OEF est un triangle rectangle en E. J'ai l'angle F et j'ai l'hypoténuse OF. On doit calculer EF. EF est le côté adjacent pour l'angle F. Par suite, relation entre côté adjacent et l'hypoténuse et l'angle n'est autre que le cosinus. Donc, on peut appliquer le cosinus de l'angle F. OEF est un triangle rectangle en E. J'ai le côté adjacent pour l'angle F et l'hypoténuse OF. Alors, cosinus long égale côté adjacent sur l'hypoténuse égale EF sur OF. Donc, cosinus 20,49 degrés égale EF sur 20. Produit au courroie, EF égale 20 fois cosinus 20,49. À l'aide d'une calculatrice, on trouve que EF égale 19 millimètres.